berceau. Elle est belle la nuit. Je te chante la nuit, moi. Elle est belle, c'est ce que t'as de nuit. Ah, c'est pas drôle, on dirait plus haut. Salut tout le monde, on est au Gros du Roi sur le catamaran Picardie 2 pour ma vidéo. C'est un smash or pass avec tous les influenceurs avec qui on partage le domaine de Bassorbo depuis une semaine. Donc on va se date au milieu de l'eau sur un ton d'humour. Vous connaissez Kelly, amour, ça sonne bien. Donc je remercie le camping de Bassorbo et surtout le catamaran Picardie 2. Bisous. En pleine mer avec mon catamaran Picardie 2 et y'a personne. Vas-y, y'a moi. Mais viens là. Si. Ah, c'est Olivier. On y va. Non. Qu'est-ce que tu veux? Tu parles quelle langue? Comment toi? Et Théo, tu parles français? Oui. Bah alors, parle français. Théo, c'est pas possible ça. C'est pas bien pour la mer. Je te trouve vraiment très jolie ce soir. Et le soleil n'est que le reflet de la couleur de tes yeux. Mais ils sont pas bleus, ni jaunes. Non, mais en gros, le soleil. Ah, tu parles français. Beau comme des... Non, et ah, oui. Alors pourquoi commencer en espagnol? Non, ça se passe dans mes yeux. Là, le regard il est là. Non, plus là-bas. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi comme vidéo? Bon, je te souhaite une bonne suite. C'est rien que toi. Je te laisse à une prochaine. Oui, oui. Ok, salut Dylan, tu fais quoi dans la vie? Ok, donc tu manies la farine, la pâte. Plein de farine partout. Ah ok. C'est quoi la pâtisserie que tu fais le mieux? Plein de trucs différents. Moi j'aime bien les pastéis de nata, tu sais en faire? Des pastéis de nata. Ok. C'est un dessert portugais, tu vois, je suis portugaise. T'es de quelle origine? Donc un peu macho toi. Très vite fait. Comment ça très vite fait? Ah mais c'était une blague. Non. C'était une blague, mais de côté. Oui. Mais t'es macho. Non. Ton signe astro. Capricorne. Ouais, c'est bien. C'est quoi? Pourquoi tu me demandes ça? Mais parce que je trouve que c'est important de savoir ça sur les gens. Et c'est quoi que t'aimes faire dans la vie? À part la pâtisserie. Pâtisserie. Sur Netflix, tu regardes quoi? Ou à la télé? Me dis pas que tu regardes le meilleur boulanger de France. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça belle. Mais encore? Voilà. Et t'es très gentil. Mais ah, écoute, je vais pas écoute, tu sais pourquoi? Non, parce que je suis l'homme de ta vie. Ah bon? En fait, tu sais pas encore. Et parce que tu peux me rejoindre. Je crois qu'il a raison, le monsieur là. Quoi? Tu peux le rejoindre. Tu seras sûrement. Et parce que c'est toi l'homme de ma vie. Voilà, parfait. Ah, c'est bien. Voilà. Ne va pas avec cette connasse. Comment ça, pardon? Hein? Il parlait pas de toi, pas d'elle. En fait, le soleil se couche, mais pourtant, tu n'es plus vraiment. Est-ce que tout le monde va faire des petites disquettes par rapport au soleil? Je peux le faire. Ah non. Ah, c'est pas conciliation. Alors, c'est pas pour te chercher, mais il manque pas de lit. Ah bon? C'est votre code d'amour. Dis donc, c'est un sacré date. T'es venu ici pour être sûr d'être mouillé à la fin, quoi. Ah ouais? Vous attendez là, je suis tombée. Tu es tombée amoureuse. Du soleil. Tombée amoureuse du soleil. Parce qu'il est magnifique, le coucher du soleil. Hein? Couche-lui au moins pour le soir. C'est quoi ton signe astro? Ça vient de sortir, c'est le 13e. 13e? Bah du coup je peux pas me renseigner sur toi par rapport à ton signe astro. Avant j'étais bélier. Ah donc soumis. C'est quoi ta série préférée? Les 13 commandements. C'est en fait c'est une série en animé. Ah ouais. Je n'avais pas le souvenir de ça. En fait c'est moi qui l'écris. Ah t'es. Oh ouais. Tu fais ça dans la vie? Ouais. Okay. Je RSA. Ah. Chômage. Je touche un peu.
Mais j'ai une Ferrari. Ah ouais. Mais elle est à mon frère, mais c'est à moi. Oui, donc tu te rends compte. Je vais te raconter ta vie au vol. Brice. Non, pas vrai, j'aime pas vrai. C'est vrai, moi je suis breton. Ah, breton, donc très fier, très français. Oui, ah. Tu t'intéresses beaucoup aussi à l'astrologie. Ouais, non, pas. Non, je sais pas, moi je suis verso. Eh ben, je te souhaite une bonne. Sérieuse? Envie de coucher de soleil, il y a des boissons offertes. Parce que je suis verso, tu m'expulses. Mais pas. Alors non, c'est parce que tu es. Tu es très gentil. Ça veut dire quoi, verso? Mais rien du tout, ça n'a rien à voir avec ton signe. Je passe à toi. Salut, moi c'est Kelly. Alors, tu m'écoutes pas? Tu fais quoi dans la vie? Donc t'aimes bien les animaux? Ok. Ouais, ouais, je trouve ça mignon. J'aime bien les chats, etc. Ouais, c'est mignon les chèvres. T'en penses quoi des chèvres? Non, j'aime bien. C'est bien, on a. Ok. Ouais. C'est quoi ta série préférée? On bat les couilles, frère. Je n'ai rien à foutre! Docteur. Je connais pas du tout. Tu es un gamer, pas du tout? Un peu, ouais, sur les courses. Tu joues à quoi? Un Fortnite. Ah! Et toi? À des vrais chèvres. Je préfère Valorant. Valorant. Et ah, tu joues pas qu'à Fortnite? Qu'est-ce que c'est tes autres passions à part l'agriculture? Ah, ouais, alors. Donc t'es un skater? Non, je suis honnête. Tu es honnête? Non. Tu peux pas. Tu m'écoutais pas dès le début, tu n'as rien retenu. Si. C'est quoi mon prénom? Pierre. Et tu es agriculteur? Les chiens et les chèvres. C'est quoi ton signe astro? Vierge. Ah, t'es pas vierge? Non, non, moi je suis poisson. Tu as les poissons? Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce qui te plaît chez moi? Ah, tu veux me voir, par exemple? Bah, comme tu peux voir, là on est perdu en mer et je me suis perdu. Get on my level, Matt. Ah, d'accord. C'est quoi ta série préférée? Ouais. Et ton jeu préféré? Voilà. C'est plutôt pas mal. On reste rapote si ça te plaît pas. C'est bien gentil. Merci. Passe une belle journée, ma belle. On a fini les petits dates, c'était évidemment de l'humour, donc un match, parce que évidemment ce sont mes potes, c'est ça la morale de l'histoire. Donc c'était bien sympa, c'était aussi parler du catamaran Picardie 2. On est au Gros du Roi et je leur remercie vraiment. Je remercie aussi à Bobage Sport pour nous proposer cette semaine, au coping et surtout au domaine de Massereau pour toutes ses activités et son beau contenu. Et si vraiment il fallait donner un gagnant, je dirais que c'est Mathias. Et aimez-vous tous, ne vous battez pas. De la vie parce qu'on en a que. Allez, ciao.